Si seulement je pouvais faire quelque chose pour Doc. Appeler Harry, peut-être? Lui dire de parler à son père? Non, il écoute jamais. Quand on sait que Norman a tenté de torpiller les financements de ses stations de recherche... Hé, hey, il y a une de ces stations pas loin. Je devrais aller voir ce qui se passe là-bas pendant qu'Harry est en Europe. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Spider-Man sur PS4. J'essaie de plus parler pendant les cinématiques maintenant, hein. Je vais m'en tenir. Hop là, hé, alors, non, ça va. C'est bon. On va aller voir un petit peu ce que c'est. C'est quoi ça? Une station de recherche. Ok, donc on sait qu'Harry est parti en Europe. J'ai un service à te demander. Ma mère avait un projet qui lui tenait à cœur. Des stations de recherche au service de la population. Je les ai lancées, mais maintenant que je suis... mort ? Oscorp risque de les arrêter si elles ne s'avèrent pas rentables. Est-ce que tu veux bien y jeter un œil ? J'ai laissé des notes sur chacune. Merci, mec. Tant que ces stations sont là, c'est un peu comme si ma mère était là aussi. Ok, ça sent le... l'émission, voilà. L'émission secondaire, on dirait que c'est encore plus. Je pense que dans le prochain, après ça, je vais juste lancer le jeu. Je vais faire l'émission secondaire. Et hors let's play. Alors, que faut-il faire? Encore une station qui surveille la qualité de l'air et détecte les substances toxiques aux alentours. Super important pour la vie et ses citoyens. Mais certains gros bonnets ne sont pas hyper enthousiastes à l'idée que leurs pratiques polluantes soient dévoilées au grand public. D'accord. Polluantes, pardon. Une pratique, Stéphane. Voyons, tu ne sais pas parler français ou quoi? La pollution de l'air. Ah. Le but, c'est d'identifier les... Ça s'est vachement pollué depuis tout à l'heure. C'était pas aussi fort, c'était pas aussi... Entre nous, je soupçonne Oscorp de souhaiter qu'on échoue pour ne pas montrer qu'eux aussi polluent. Bravo. Le taux d'hydrocarbures polycycliques est beaucoup trop élevé. Ah ouais, j'avoue que l'hydrocarbure polycyclique... Si ça continue, il pourrait y avoir des morts. On va peut-être mourir, hein, il y aura des morts. Hein. Oui, Peter, les particules se concentrent à des endroits spécifiques. Je vais traverser des mini-nuages de pollution pour récupérer des échantillons et remonter à la surface. Ok, fais ça. Mais comment on sait du coup? Comment je sais? Ah d'accord, je vois le nuage. Je le vois le nuage, vous voyez le nuage? Voilà. Bah je passe à travers là, qu'est-ce qui se passe? Ah faut que je passe encore plus à travers que ça? C'est-à-dire genre comme ça? Bah qu'est-ce qui s'est passé? Faut faire quoi? Faut collecter? Bah oui d'accord je veux bien mais comment je fais ça, moi? C'est pas ragoûtant. D'accord. Il va falloir que je traverse ces nuages. Ah bah je vais galérer, s'il faut en faire 8, on a pas fini le tenail, hein. Allez, on va passer par ici. Wow. Hop là. On voit ces nuages à l'œil nu, le niveau de toxine doit être sacrément élevé. Et d'accord voilà. Avec toi, Peter. Ok, d'accord. Je me suis foiré comme une merde. Le truc doit être en haut. Mais qu'est-ce que tu fais, Stéphane? Non, tu joues plus depuis quelques jours et c'est bon, hein? Bon. Ah, voilà, un gros nuage. C'est très bien ce que je récupère. Enfin, les échantillons, pas les toxines. J'imagine bien, Peter. Là, il y a un gros nuage, là. Juste à côté de la police, c'est bon. Comme ça. Alors, on est à 5 sur 8. Avanço. Avanci, avanci. Comme on dit au Québec. Oh, il parle genre, il parle italien, il fait québécois. N'importe quoi. Allez, c'est là. Je le vois le nuage là. Mais putain, je suis pas assez haut. Ok, faut que je me balance un peu plus haut. Le nuage est super haut. Alors, où est-ce qu'il est ce putain de nuage? Excusez-moi pour le terme utilisé. Ils doivent tous paniquer à me voir comme ça. Voilà. Rien de très inhabituel. Je parle des gens. Bon. Allez, un petit dernier. Les toxines proviennent de deux types de voitures. Ah, c'est bon. Et d'une cheminée défectueuse. C'était le dernier que j'avais fait, donc ça va. Ok, faut que je prenne en photo des voitures. Et le cheminée. C'est pas le putain des deux qui a la vie de Spider-Man, hein. Pas la lumière sur celle-là. Alors, quel caméraman je suis. Oh, je suis tellement doué. Je suis bon. Et toi? Viens ici. Je te prends en photo. Parfait. Dans les airs. Oh, le mec est tellement bon.
J'avoue Stéphane, je suis bon. Oui, je me parle à moi-même parce que là vous pouvez pas me le dire. Donc je me le dis à moi-même. Ok, le truc est là-bas, la cheminée, je vois que c'est une cheminée. Et j'ai pas dit ok Google, là qu'est-ce que tu fais? C'est la meilleure photo de cheminée de toute ma vie. Le service de la protection de l'environnement s'occupera du reste. Je pourrais peut-être me faire un costume vert pour le jour de la Terre. Y a Google qui me parle. Cette station a permis d'éviter une vraie crise sanitaire. Pas non plus. Parce qu'on pourra pas dire que les stations d'arrêt ne servent à rien. Me voilà! J'avance quasiment à l'aveuglette. Il faut que j'active d'autres tours. Ouais, pas tout de suite, Spider-Man. Pas tout de suite. On va d'abord aller voir... Spider-Man, Shocker s'est évadé. Il est en train de dévaliser une banque sur East et la 31ème. Mon dieu, Shocker encore! Il y a eu une mauvaise onde? En quelque sorte. Un des gardes est allé à la cellule et l'a libéré avant de lui rendre son équipement. Je savais que Shocker travaillait pour quelqu'un. Est-ce que le garde a parlé? Non, malheureusement, il est mort. Celui qui lui a demandé de libérer Shocker n'a pas voulu prendre de risque. La poisse! D'après la vidéosurveillance, le garde était dans une sorte de transe. Et c'est peut-être dû à l'éclairage. Mais on aurait dit que ses yeux brillaient. Un vrai film d'horreur! Bon. Ah, c'est que ça peut être quel ennemi ça? Shocker quand je serai à la banque. Ça peut être quel ennemi qui contrôle les gens? Je connais pas. En fait, je connais pas beaucoup les méchants. J'adore Spider-Man. Je connais quelques méchants iconiques, on va dire. Ah, j'ai pas le temps pour le braquage, il y a Shocker qui s'est évadé là. Faut que j'aille choper Shocker. Je peux pas aller plus vite que ça, donc J'ai mené l'enquête sur les démons. Apparemment, ils ont profité du vide laissé par Fisk pour commencer à prendre le contrôle. Ah, c'est ta faute, Peter. Un vide que j'ai créé en Fisk. Jameson avait raison. C'est de ma faute, si. Et t'étais censé faire quoi? Laisser Fisk jouer aux parents? Tu vas bien? Barbie, t'avais pas le choix, Peter. Ouais, je crois que je viens de perdre mon job. La ville. Norman, couper nos subventions. Oh, Pete, je suis désolée. Si Harry était là, il pourrait essayer de raisonner son père. Vous trouverez d'autres financements. Votre travail a trop d'importance. Merci, MJ. À la prochaine. Il est à la banque. Il va faire un retrait, c'est bon. Le gars, il a voulu se sortir de prison pour aller faire un petit retrait. Bon, un gros retrait, là, par Herman, ça faisait un bout de temps. Eh, je suis pas avocat, mais je suis à peu près sûr que t'es pas censé faire ça. C'est bien, parce que ça fait direct, j'imagine, un combat de boss, là, forcément. Oups, on dirait qu'on en a pour un moment. Tu veux jouer aux devinettes? Non? La garde est pousse alors. Très bien, on va régler ça au point. Ça y est, c'est quoi un canif? C'est un petit chien. Ton équipement a bien été amélioré, on dirait. Attention, une dizaine de fois que je fais cette blague. Si tu veux te battre, on va se battre. Je vais t'éclater, putain, je vais t'éclater. Je vais te défoncer, mais tu vas pas comment ta vie. Que tu sois en prison pour qu'on puisse parler science. Tu te rappelles notre premier combat? J'étais jeune, j'étais stupide. Oh putain, d'accord. Eh bah, tellement stupide. Ça, c'est ton attitude. Dans la gueule. Je peux lui faire vraiment mal. Bam. Pourquoi tu fais ça, Herman? Parce que sinon, ils vont me tuer. Attention à toi. Oh putain, la merde que j'ai fait. Faut vraiment attendre qu'il soit genre que je puisse vraiment l'attaquer. Si tu te rends, je peux parce t'aider. Sinon, il m'envoie ses ondes. Putain. Ça va pas être possible. Il est fort. Il est super fort. Bon, ça va, trois fois, ça suffit. À passer à l'étape suivante, du coup. Tu sais, les gens vont plus vraiment à la banque. T'as la chance d'avoir trouvé de l'argent. Si tu veux vraiment toucher le pactole, essaie les crypto-monnaies, ça cartonne. Ah bah voilà. Ah bah non. Attends. Oh non. Normalement, c'est à ce moment-là, il capture le gars, c'est bon, y a pas de soucis, on... Si tu me dis pour qui tu travailles, je t'aiderai à négocier ta peine. Bon, ouais, je vais rester en... Comme ça. Oh putain. Sérieux? Il va m'avoir. Il va m'avoir, putain. Oh merde!
Faut que la vie remonte là, faut que ma vie remonte là. C'est pas possible. Concentration. Putain, faut que j'attende que la concentration de combat remonte. Ah, j'ai pas entendu le mot magique. Voilà, là ça remonte, je pourrais augmenter ma vie. Voilà, maintenant je peux éventuellement penser à me battre. Parce qu'avant, non. Y'a pas beaucoup de personnes qui arrivent à te faire peur. J'ai même pas du champ de personnes. Ah putain! Attends. En fait, il fait deux coups, j'aurais dû attendre. Voilà. Bam. Bam dans ta gueule. C'est type masqué. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de l'argent? J'en sais rien, ils m'en fichent. Ah merde! Ah putain, trois coups! Le bâtard! Il a fait trois coups au lieu de deux habituels! Et là, un troisième coup. Voilà, là c'est bon. Ah putain! Eh, le combat est chaud, hein! Ah, le combat est chaud! C'est bien, je suis en spectaculaire en même temps. Prends-toi maintenant et on le protégera! Tu rêves! T'as pas vu ce que j'ai vu? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Il y a un méchant qui fait peur! Espèce de sale! Ok, dernière chance de prendre! Oh putain! Arrête de bouger! Ah merde! Oh putain, la première fois que je meurs dans le let's play. Oh non, non, c'est parce que j'ai joué comme une merde là. J'ai joué comme une merde aussi. Putain. Bon, ma première mort, fallait bien que ça arrive. Dernière chance de prendre. Cette fois, je vais fâcher. Arrête de bouger. Mais laisse-moi deux minutes pour faire un truc. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Ah voilà. Ah! Jusque là, j'étais gentil, mais là, je rigole plus. Dernière chance. Putain. Merde. Mais vas-y, fais un truc. Le machin là. Putain. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais putain, mais ça a merdé là. Ça a merdé totalement. Désolé, les trucs devaient apparaître et là ça apparaissait pas. La sentence est tombée. Il est pas mort. J'espère qu'il est pas mort. Parce que... Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas compris. Normalement ça devait apparaître les L1, R1 et c'est pas apparu. Je fais comment? Comment j'aurais pu faire? Putain. Wow. Il était terrifié, désespéré. Ces démons sont vraiment partout en ce moment. Ok, d'accord. C'est bon, Yuri. Shocker est tout à vous. Bon travail. On lui a réservé une cellule spéciale au Raft. Cette fois, on fera en sorte qu'il reste derrière le barreau. Ah, ça dit qui, au Raft ? Au fait, je suis presque sûr qu'il travaillait pour le gang des démons. Le gang des démons ? On dirait un gros titre du Daily Bugle. Hé ! Le Bugle est un excellent organisme de presse. Je sais pas si on peut parler de presse. En tout cas, il paraît qu'ils sont de très bons journalistes. Mais bref, vous avez eu d'autres signalements de démons de... MJ. De type... masqué? Je vous rappelle pour vous dire ça. En fait, dans quel état vous avez laissé la banque? Je doute que ça vous plaise. Oh, ça lui plaira pas. On va essayer de sauter du haut de l'Empire State Building. A pris du temps. Je devrais me faire une séance de rattrapage dans la ville. Oh, obligé. Obligé de se taper taper ça là. Hey. Voilà, mets-toi en haut. Voyons. Putain, c'est super beau. Échange de coups de feu entre des agents et les démons. À tous les agents auprès de Madison. Où ça? Rendez-vous sur les lieux. Où? Je détecte pas où. Ah putain, faut que j'aille activer une tour. Bah elle est obligée. Ouh, la tour de là-bas. Cette chute de
de malade. Bam. Toi qui a laissé un message. Peter, j'y suis peut-être allé un peu vite en te conseillant de te trouver un nouveau travail. J'ai une piste. Laisse-moi un peu de temps. Notre carrière d'inventeur pourrait bien rebondir. L'inébranlable Otto Octavius. Super nouvelle, pourvu que ce soit une bonne piste. Alors, deux secondes. Je vais juste, voilà, faire ça. Voilà. Bah alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça marche pas ? Ah, bah oui, je me suis trompé alors. Je m'étais trompé ! Oh, il y a une photo à prendre juste à côté. Bah alors, c'est où les méchants là ? Ils sont où ? Il y a plein de trucs à débloquer. Je pense que la prochaine vidéo là, enfin, juste après ça, je vais aller tout débloquer et après je continuerai les vidéos sur l'histoire. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses à faire en fait. Là, il y a quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ça ? C'est... Ah ! La bibliothèque de New York. Ok. D'accord. Y a-t-il une histoire à faire, s'il vous plaît ? Le mode histoire, c'est ça que je veux. Hey, ah. J'ai jeté un œil à ce qu'on avait sur des démons. Ouais. Je suis sûr que vous changeriez d'avis. Ils n'ont pas chômé. Ils ont attaqué plusieurs propriétés de Fisk. Ils s'en prennent à Fisk ? Ah ! Vous savez ce que ça veut dire ? C'est une guerre des gangs à prévoir ? On va essayer de l'éviter. Il y a des biens de fils qui n'ont pas encore été attaqués. Je regarde. Une patrouille a signalé une activité dans un de ses chantiers navals sur le port. Merci Yori. J'ai jeté un œil. Ok, on va aller sur un chantier naval. Je crois qu'il peut nager dans ce jeu-là, donc il n'y a pas de souci à avoir pour l'eau. Hey Yori, ce chantier naval, vous savez à quoi il sert? Aucune idée. Je vais envoyer un agent sur place pour vous aider. Il s'appelle Jefferson Davis. C'est un bon flic. Il bosse sur le dossier Fisk depuis des années. Si quelqu'un sait ce qui se passe là-bas, c'est bien lui. Davis, d'accord. Bon. Est-ce que je commence cette histoire-là maintenant ? Parce que là, on est déjà à 17 minutes. Ça fera une vidéo super courte, mais... On va aller voir ce truc. On va aller se battre là-bas. Et après, je pense qu'on va faire cette histoire-là dans un autre. Il y a des moyens plus faciles de se faire des sous, les gars. On va les défoncer. Pour la ville aussi. Bam. Ta 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 ta. Ah, il a un bouclier. Mais genre, littéralement un bouclier. C'est énorme. Et ouais, tu te dis ouais, non mais. Ah bah en fait j'ai regardé l'Empereur Dragon, tu sais la Momie 3, hier, donc du coup là je suis en train de me dire que ces gars-là ils se prennent pour Wow. Bam. Retour à l'envoyeur. Ils se prennent pour les sbires de l'Empereur Dragon. Ouais, c'est quoi ce truc? Eh, mais qu'est-ce qu'ils ont? Et sérieux? Ok, ça fait mal ton truc là. Ça fait super mal. Je vais t'éclater, voilà. Comme ça, c'est fait. Eh ben. Bon. Un petit drone. Et toi? Oh, mais... Voilà, tu me balances des trucs aussi. Ben voilà, ça balance aussi de retour. Bam. Oh, comment je suis trop bon. Oh, le petit drone, il est à l'intérieur de Spider-Man. C'est un petit peu bugué, là. En même temps, si t'imagines si le drone... à chaque fois, il y avait une collision avec le drone. Bonjour monsieur la police, c'est bon, c'est fait. Bon les amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Je vais pour ma part aller dans toute la ville pour aller activer tous ces trucs, récupérer tous les machins. Et on revient pour un prochain épisode pour aller justement sur le chantier naval de Fisk. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt les amis. Bisous, bisous. Les démons sont un peu trop